Nous en parlions il y a quelques semaines. La mobilisation des opposants au pont d'Achères dans les Yvelines semble avoir payé. Le commissaire enquêteur vient de rendre un avis défavorable au projet soutenu par le Conseil général. Les explications de Colombine Denis et Jean-Yves Plan. 80 maisons, pas une voiture et près de 240 habitants, dont une bonne partie affiche encore son opposition au passage d'un pont au bout de leur île. Après l'enquête publique, début 2012, le commissaire enquêteur a finalement rendu un avis défavorable, une petite victoire pour les opposants au pont d'Achères. Le développement économique, on n'est pas contre, simplement qu'il s'insère dans cette logique de protection environnementale. À 100 mètres d'ici, il y a une réserve naturelle pour les oiseaux, par exemple. Et le pont passerait à 50 mètres de cette réserve naturelle. Donc ce serait quelque chose de catastrophique pour la faune, la flore. Ce serait un saccage. Un pont sur la Seine à hauteur d'Achères, un serpent de mer. Le projet existe depuis plus de 20 ans. Le Conseil général des Yvelines se dit surpris de l'avis négatif, mais veut maintenir la réalisation d'un ouvrage d'art en apportant des améliorations à son dossier. Nous sommes toujours convaincus que c'est un projet absolument indispensable à notre département. Parce que dans la boucle de Chanteloup, c'est pas loin de 3000 logements qu'on va construire. C'est une centaine d'hectares de développement économique. C'est l'ensemble des équipements qu'on va réaliser. Pour les opposants au pont, la bataille n'est pas complètement gagnée. Les associations locales demandent plus de concertation au département porteur du projet. On demande simplement qu'ils prennent acte ce qu'il a fait de l'avis négatif, mais que surtout il revoie sa copie complètement, qu'il abandonne ce projet et qu'on se réunisse autour d'une table, les associations, pour pouvoir, et les riverains, pour pouvoir avoir un mot à dire. C'est maintenant à l'État de rendre une décision sur ce dossier. En attendant, les habitants de l'île de la Dérivation peuvent encore profiter de ce lieu de vie sans voiture.